grande petite vidéo pour vous présenter le wood du jour en ce vendredi 8 janvier. Le wood, format, c'est un format entre guillemets un peu émum sur les 3 minutes, c'est-à-dire que vous allez devoir réaliser 3 mouvements sur 3 minutes, 6 fois. D'accord ? Donc toutes les 3 minutes, on repart du début, on réattaque. Ok ? Le but, 2 mouvements réalisés plus à la fin, dès qu'on a réalisé ces 2 mouvements, un maximum d'un autre mouvement. Du coup, les mouvements, vous avez des pistol squats, des HSPU et des thrusters. Thrusters soit one arm avec une dumbbell ou AKB, soit à la barbelle classique. Ok, en fonction de votre matériel. Je vous l'explique, le but, sur les 3 minutes, commencez par les pistoles. Vous allez, entre guillemets, choisir dans l'échauffement un nombre de pistoles à réaliser entre 20 et 10. Ça va dépendre de votre niveau et de votre vitesse d'exécution. Votre mouvement doit prendre approximativement 45 secondes. Ok, donc pour les plus rapides, 20 pistoles squat dans 45 secondes, ça passe facilement. Pour les moins rapides, minimum 10. On verra en chacun les mouvements. Une fois qu'on a fait ça, on doit réaliser 10 HSPU. Pareil, si 10 HSPU, vous mettez 4 minutes à les faire, c'est pas la peine. Okay, on choisit un nombre de HSPU où on est capable de les réaliser en 1 minute à peu près. D'accord, plusieurs fois même sous fatigue. Okay. Et le reste du temps, vous allez devoir réaliser un maximum de répétitions au thruster, soit à un bras, au DB ou au KB, soit à la barbelle. Okay. On revoit tous les mouvements ensemble après et je vous explique. L'échauffement, mobilité spécifique, surtout ouverture thoracique, d'accord, c'est-à-dire bien travailler à faire une ouverture d'épaule pour les HSPU et les thrusters et déverrouiller cheville, hanche, d'accord, tout ce qui est autour de la cheville, tout ce qui est autour de la hanche, tout ce qui est un peu quadrillé ici aussi pour gagner un peu d'amplitude et préparer le corps au pistol. Ensuite, une fois que vous avez fait ça, vous allez partir sur un échauffement. 3 rounds à réaliser tranquillement, d'accord, c'est du qualitatif et pas du rapide. Pistol squat, donc des pistoles box excentriques. Je vais vous montrer ce que c'est. Ensuite, des pipe push-up plus des push-up normales et des front squat plus des strict press. Alors, les pistoles box excentriques. Alors, si vous avez une box, vous utilisez une box. Si vous n'avez pas de box, vous mettez sur une chaise ou sur un banc ou sur un canapé. D'accord ? Donc, vous mettez le pied au bord d'une box, l'autre pied dans le vide. Le but, c'est de venir descendre en pistole, d'accord, le plus bas qu'on peut. Et dès qu'on arrive, en ralentissant sa descente, et dès qu'on arrive au plus bas, on arrive avec le pied au sol en position de pistole. Tac, je remonte en mettant ma jambe qui est en bas. Je descends tranquille, je descends tranquille, je descends tranquille. Ah, et je remonte ensemble. D'accord, j'en fais 5 sur ma jambe gauche, puis après 5 sur ma jambe droite. Une fois que j'ai fait ça, je fais pike push-up, 5 pike push-up, plus 5 push-up normal. Donc je me mets en position de pompe, je me mets en position de pike. D'accord, là je fais 5 pike push-up, 1, 2, 3, 4, 5, dès que j'en ai fait 5, je me mets en position de pompe et je fais 5 push-up aussi. Je me concentre à garder le dos bien placé et dès que j'ai fait ça, je fais 5 front squat, donc soit avec une barre, soit avec un KB, soit avec une dumbbell, d'accord. Donc moi j'ai une dumbbell, hop, je le tiens comme ça, 5 front squat, ok, 1, 2, 3, 4, 5, et 5 strict press, donc là je ne bouge pas et j'envoie au-dessus de ma tête. Sans m'aider des jambes. Je fais 5 front squat puis 5 strict press. Ceci, je le fais 3 fois. Je rappelle, qualitatif et pas rapide. Une fois que j'ai fait ça, j'attaque un 3 rounds, toujours le même principe, qualitatif et pas rapide. On fait 2 mouvements, 2 narrow squat plus 2 pistol squat. Narrow squat, je rappelle, pied plutôt serré, donc largeur des hanches est parallèle. Je fais des squats dans cette position, donc j'en fais 2, que j'enchaîne avec 2 pistoles. 2 pistoles, c'est un jambe gauche, un jambe droite. Donc je fais pistole jambe gauche, puis pistole jambe droite. Ok, 2 plus 2. Ensuite, je fais 20 secondes de handstand hold. Je me mets contre un mur, position bras tendu, et je maintiens la position 20 secondes. Et 5 thrusters. Donc je rappelle. Et là, j'essaie de le faire tirer une des bélos avec les deux bras avant de partir un bras comme le rouge. D'accord ? Je fais un squat, je remonte au-dessus de ma tête. D'accord ? Avec le KB, c'est le même principe. J'essaie de le tenir comme ça. Ça se fait bien. Soit avec une barbelle. 3 rounds. Ok ? Dès que vous avez fait ça, là, on va faire une seule fois. Donc un peu de récup. Et on va faire une seule fois les mouvements du wood sur un temps, c'est-à-dire que vous allez réaliser 45 secondes de pistole à un rythme de wood, donc pas comme des débiles, mais pas lent non plus, ok, votre rythme entre guillemets de croisière sur les pistoles pendant 45 secondes et vous regarderez combien vous en avez fait, d'accord. Ensuite 45 secondes de HSPU, ok, donc si vous faites 45 secondes de HSPU unbroken, ça va faire beaucoup de reps, d'accord. Donc on essaie de faire en 2-3 sets et une fois qu'on a fait ça,
45 secondes de thruster. Pareil, 45 secondes de broken, ça se fait, mais ça fait beaucoup de reps. Ok ? On gardera, entre guillemets, le repère que vous avez fait sur les 45 secondes de pistole, combien vous en avez fait, et vous enlèverez 2 à 3 reps par rapport à votre temps là pour savoir à peu près combien il faut viser sur le wood. Ok ? Si la HSP, vous avez réussi à faire beaucoup plus que 10, c'est que vous pouvez tenir 10. D'accord ? Et les thrusters, ben ça dépendra de vous à la fin. Ok ? Voilà, n'hésitez pas à poser des questions si vous en avez, n'hésitez pas à liker la vidéo, et pour ceux qui sont motivés, je vous dis à ce soir à 18h30 avec moi. Salut tout le monde!